Pourquoi pour sa mère t'a aidé? Si tout devient sombre et que je ne me retrouve pas, j'aurai toujours l'assurance de la force de ton amour. Cet amour que tu nous as montré, mon petit frère Tukui et moi. Ces forces d'amour récurrentes qui embaumaient et enveloppaient agréablement nos vies d'enfants. Ta gestion de ton temps pour nous trouver de tant de joie est si douce que je ne peux imaginer qu'ailleurs des gens ont cette grâce de pure solitude d'une mère bienveillante. En cette période où le monde élève la voix pour honorer les mères, je ne peux guère faire l'économie de mon temps tant que je te porte encore plus solidement dans mon cœur. Dada, je t'assure que tu as grandement comblé nos vies. Et pas simplement pendant ces périodes où nous étions comme des poussins sous ta couverture de mère, mais aussi pour le fait que tu nous guidais toujours par ta maternelle attention. Qui ne se sentirait pas assez comblé par ce grand et pur amour maternel qui s'étend sans s'éteindre dans nos vies? Qui peut remplacer dans nos cœurs cet amour si vivant, bienveillant et crédible que tu nous offres toujours à travers le temps et que tu continues de nous accorder de diverses manières? Dada de la grande famille royale des régions reculées de Cricri, grande tante des grandes familles Nyenye, je me sens toujours collée à toi comme l'ongle sur les doigts. Rien ne peut éteindre cette flamme d'amour que tu as semée en moi. Pourquoi finit son poème, baissa sa tête, regardant droit dans le passé? Elle retrouvait dans ses pensées plusieurs moments de sa vie où sa mère avait véritablement fait des sacrifices de sa propre vie en écrasant sa liberté, ses désirs et ses loisirs pour leur consacrer les meilleures attentions pour qu'ils se sentent toujours heureux. Pourquoi ne réussit pas à empêcher les pleurs qui gagnèrent ses yeux? Elle cria plus fort et soupira. Elle se remit de cette émotion en jetant un coup d'œil à la photo de sa mère qui était accrochée à une petite hauteur de sa vue. Elle cria enfin avec une joie indéfiniment grande. Dada, pour moi, je t'aime toujours et toujours. Extrait dans le livre Pourquoi de Cricri de Gabin Conrad Afanyede.